bienvenue sur ma chaîne. Je suis Eva Mind Coach et aujourd'hui je reçois Flora pour parler d'un sujet qui est les entités dans les lieux que l'on habite. Et Flora a accepté gentiment de témoigner pour parler de son expérience. Et voilà. Donc est-ce que tu pourrais dans un premier temps nous expliquer ce qui se passait chez toi? Alors j'ai emménagé dans mon appartement il y a maintenant presque 4 ans. Et il y avait des endroits dans mon appartement où je n'étais pas forcément sereine de m'y rendre la nuit ou même de juste prendre quelque chose dans les placards, il y en avait deux en particulier, ou juste de m'en approcher, il y avait toujours une ambiance un petit peu étrange. Et des amis qui ont beaucoup vécu avec moi quand je suis emménagée dans cet appartement-là pouvaient le sentir eux aussi. D'accord. Donc c'est quelque chose qui n'est... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que des lieux sont plus ou moins hantés, habités, et des personnes le ressentent, d'autres pas du tout. Donc en fait, là, majoritairement, tout le monde pouvait le ressentir. Ouais. D'accord. Et le ressentir par une sensation de désagréable, est-ce qu'il se faisait toucher? Est-ce qu'il y avait des objets qui se déplaçaient? Comment ça se traduisait? Non, non, non. Quand on était tous les trois, je pense vraiment à ces deux personnes-là en particulier, c'était plus un sentiment quand on se baladait vers les... quand on devait aller chercher quelque chose ou par exemple prendre des vêtements dans le placard ou dans l'entrée. C'était vraiment une sensation un peu de... C'était pas très agréable. Je pense qu'ils n'auraient pas été touchés ni l'un ni l'autre, mais c'était vraiment genre un espèce de dégoût. Arriver devant le placard de ma chambre et devant le placard de mon entrée. Je pense surtout que c'est ça. Et après, de toute façon, il y a le coin dont on ne s'est jamais approché tous les trois, ça c'est sûr. Voilà. D'accord. Et donc, suite à ça, tu m'as beaucoup parlé de l'ambiance chez toi. Et tu m'as résumé plus ou moins ce qui se passait, comment tu le vivais toi, seul par rapport à ton appartement. Comment ça se traduisait sur toi uniquement? Sur moi uniquement, il y a une période où je me sentais observée dans ma salle de bain. Parce que comme du coup, quand j'étais toute seule, je laissais la porte ouverte de ma salle de bain. Et comme le placard est pile en face, eh ben, je me sentais observée, genre je pouvais être devant mon miroir et j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui était en train de s'approcher doucement de moi en fait, à chaque fois. Ou qui venait s'approcher, ou qui rôdait en fait dans les parages. Et j'ouvrais des fois la porte, mais quand elle était fermée, j'étais là genre mais... Il y avait quelque chose. Ouais, c'était bizarre. C'était quelque chose d'assez envahissant. Est-ce que c'était journalier? Est-ce que c'était à des périodes entrecoupées? Est-ce qu'il y avait des temps où il se passait pas grand-chose? Ou est-ce que c'était continu tout le temps? Maintenant, je vois la différence et je peux dire que c'était vraiment tout le temps, mais c'était plus accentué à certains moments. D'accord. C'était plus dans le sens. C'était plutôt qu'il était là tout le temps, à mon avis, qu'il se baladait toutes les nuits, clairement. Et que juste des fois, il rentrait vraiment plus en contact avec moi. D'accord. Et donc, c'était pas au courant de la journée? Non, c'était plus souvent la nuit. La journée, ça pouvait aller, c'était juste ce côté désagréable, quoi. Mais dans la journée, je pense que... faudrait que j'en parle à mes deux amis en question. Mais je pense qu'ils n'ont pas... Enfin, je pense qu'ils m'auraient dit déjà s'ils avaient vu quelque chose de bizarre, ou s'ils avaient senti quelque chose de bizarre. Voilà, et ils l'ont pas fait. C'était, ouais, c'était juste tout le temps. Mais avec accentué la nuit, quand j'entrais, par exemple, toute seule, vers 3-4 heures du matin, là, déjà, j'arrivais à ma porte, je me disais genre, oula. Genre, t'as même pas mis la clé dedans, t'es là genre, vraiment. Bon, ils sont sortis. Et voilà. Ok. Ouais. Et donc du coup, suite à ça, donc tu m'en as parlé de ce côté désagréable, donc j'ai accepté de venir voir ce qui se passait et voir ressentir. Du coup, ben, je vais pas dire moi ce que j'ai fait, mais ce que tu peux dire, comment ça s'est... Alors, si je me souviens bien, parce que du coup, ça m'a un peu pris moi aussi, donc si je me souviens bien, on est rentré dans mon entrée. Et tu m'as dit qu'effectivement, déjà, tu sentais des choses. De là, tu m'as dit que tu comprenais pas trop, tu allais voir directement dans la chambre. De là, tu voyais rien de particulier, tu sentais quelque chose, effectivement, mais tu voyais rien de particulier. Donc, du coup, tu t'es rendu dans mon salon. Et... Je te coupe deux secondes, parce que les gens vont peut-être pas comprendre. En fait, c'est quelque chose où j'ai du mal à expliquer, mais je vais plutôt ressentir une sensation physique. Et ensuite, j'essaye de comprendre. Je pars du principe que je sais pas, que je sais rien. Et qu'ensuite je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Donc essayer juste de laisser l'esprit ouvert, de ne pas interpréter, juste de ressentir et ensuite de comprendre comment je sens qu'il y a différents endroits qui sont désagréables, etc. Et j'essaye complètement de ressentir le lieu, de voir où ça ne va pas et ensuite de voir quelle entité, quelle chose va se présenter. Et là présentement c'était une sensation déjà très désagréable. Parce que ça me collait vraiment au sol, et quand ça colle comme ça, généralement, c'est ce que j'appelle une signature qui est d'un autre côté, qui peut être qualifiée de négative, très négative. Et ensuite, il y avait une sensation dans ta chambre, surtout qui m'avait pris de mal de tête, d'envie de vomir, qui était assez,
assez impressionnante. Ouais. Voilà. Donc je fais le tour petit à petit et ensuite ça s'éclaircit, les choses s'enchaînent. Mm-hmm. Voilà. J'essaie juste de comprendre et voilà, donc, je te laisse continuer. Du coup, après, tu es allée dans ma cuisine qui est donc sur la gauche. Enfin, il y a mon entrée là, le salon là, la chambre ici et là il y a ma cuisine. Donc tu es arrivée dans ma cuisine et là on t'a donné un coup de pied. Non, mais... Oui, c'est vrai. J'ai oublié. Ouais. Voilà. C'est vrai. Et du coup là je l'ai vu, enfin j'ai vu la déformation en gros de ton corps à ce moment là, genre le cou en fait sur le côté du mollet, je crois que c'est le mollet gauche il me semble. Et je me suis dit bon, déjà ça commence mal. Et ensuite t'es rentrée dans ma chambre et c'est là que tu as vu le petit Joshua. C'est là que t'as commencé. Je me souviens d'être d'abord passée par le salon, de ressentir l'odeur de parfum. Oui c'est ça. Donc je cherchais à savoir déjà de tous tes parfums à toi. Et parce que c'est une odeur un peu florale mais âcre, comme un peu poudreuse, qui restait parfum d'ambiance, parfum à toi, s'il y avait une odeur qui pouvait se rapprocher, parce que j'essayais toujours de savoir, bon, je resterais terre à terre quand même. Et cette odeur-là, elle était vraiment présente, elle prenait vraiment la bouche et la gorge. Et je voulais savoir si toi aussi tu la ressentais, parce que les gens auront peut-être compris que tu ressens aussi des choses, et que tu te faisais pas forcément confiance sur ce qu'il y avait, sur ton ressenti, ce qu'il y avait chez toi. Et à décrire ça, et je me souviens surtout d'avoir commencé à voir des enfants et à voir un enfant caché dans un placard. C'est pour ça que je t'ai demandé est-ce qu'il y avait un placard à manger dans ta cuisine. Oui, c'est vrai. Appartement que je ne connaissais pas. Non, mais non, du coup, pas du tout. C'est la première fois qu'elle s'y rendait. Donc de là, il y a eu le petit qui s'est montré. Qui était dans ta chambre. Voilà, qui était dans ma chambre. Donc j'ai un placard ridiculement petit, c'est des vieux placards dans des appartements de 1910. Je sais pas quoi ils servaient à la base, c'est des placards cachés en fait. C'est des placards. Je pense que si on ne le sait pas, on peut ne jamais le voir en fait. Surtout qu'il est caché derrière une commode. Donc clairement, c'est pas une évidence pour le voir. C'est comme une niche dans un mur en fait. C'est ça. Voilà. Et il est clairement dans le mur et tout. Enfin, il est pas large, il est blanc, sur un mur blanc, donc forcément. On voit pas comme ça. Et de là c'est là que ça devient un peu plus flou pour moi, parce que du coup, moi je me suis pris dans la tête ce que tu décrivais, soit je me sens être en recroquevillé sur moi dans mon entrée, parce que moi je sentais la peine du petit en fait. Donc je ne voudrais pas ce qui se passait pour autant, mais j'étais juste... émotionnellement fort. C'est ça. Parce que premièrement, en fait, pourquoi j'ai eu ce truc de la cuisine, en fait, c'est que je commençais à avoir des enfants qui rigolaient puis qui pleuraient, et ensuite une sensation qu'un enfant était caché dans un placard. Donc... ensuite, dans ta cuisine, il y avait garde-manger, donc là c'était une petite fille, mais qui était partie, qui n'était pas restée dans les lieux, donc elle montrait qu'elle s'était cachée là un temps donné. Et ensuite, il y avait quelque chose de plus oppressant, et je dis, il y a un autre placard, il y a un autre enfant, et il est vraiment là. Donc c'était celui de ta chambre. Du petit Joshua. Ensuite de là, c'est là qu'on a commencé à comprendre que tu as commencé à comprendre la relation entre la personne dans le salon et... qui dégageait le parfum. Donc, c'était une dame d'un certain âge que je voyais dans un coin de ton appartement, un coin où tu disais après coup que c'est un coin qui te dérangeait beaucoup et que tu n'allais pas. J'avais jamais. Maintenant, si, mais avant, non, j'avais jamais. Jamais. Donc, il y avait une dame en fait qui restait là et que je voyais très clairement en fait assise sur une chaise en train de tricoter, de coudre, etc. Une dame très fermée à la discussion. Et vraiment assez, assez violente, en gros, dans le sens dégagé. Mais ce n'était pas encore la signature de la chose que je ressentais, de l'entité plus négative, plus plombante, je veux dire, qui était là. Oui, parce que ces deux endroits-là, dans l'appartement, ça me dérangeait. Mais si j'y pensais pas, par exemple, un moment, ça n'allait pas forcément m'impacter directement. C'était plus si je restais, par exemple, c'est là que je mets mon violon. Et des fois, le temps de retrouver, je sais pas si j'ai fait tomber mon archet, un de mes deux archets, j'en sais rien, le temps de le rattraper parce qu'il est un petit peu particulier, mon placard, bon, des fois, je pouvais peut-être ressentir et me dire, oui, c'est vrai, il y a quelque chose à l'intérieur. Le coin aussi, pareil, s'il y a des trucs à poser, je sais pas, ma lampe à l'allumer, j'en sais rien, je pouvais ressentir un petit peu, mais c'était pas forcément. Je pouvais l'oublier, en fait. Le placard, jamais. Le placard, une fois ouvert, c'est genre. Cette sensation d'être observé, genre, salut. Genre, je sais pas ce qui se passe, mais il se passe un truc, là, mais ouais. C'était très particulier. Et du coup, là, on parle du placard de l'entrée. De mon entrée, où j'avais eu la bonne idée. Enfin, j'ai en gros mon placard de l'entrée, la personne assise dans le salon et le placard de ma chambre font un triangle des Bermudes. Un triangle parfait. Entre lesquels il y avait, pendant un long moment, un miroir dans ma salle de bain.
Et c'est là que je disais tout à l'heure, dans la salle de bain, j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui m'observait, très fréquemment. Donc ça venait du placard. Et ça venait du placard, clairement. Ça venait du placard. Donc c'est là qu'on a, que tu as compris la relation entre les trois, enfin qu'on a trouvé... Parce qu'en discutant avec le petit Joshua, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était une... le petit est décédé, en fait, dans ce placard, et donc ça datait des guerres. Et c'était un enfant juif qui avait été caché. Donc sa sœur qui était cachée dans le placard, le garde-manger a été trouvé et emmené. Son grand frère, ils l'ont pas caché, ils l'ont été emmenés. Le couple qui vivait là avant ont été aussi sortis là, ceux qui cachaient les enfants. Et le petit Joshua a été caché par la femme d'un certain âge, pas de qui squattait le salon, hein, mais la dame qui les cachait, elle a caché le petit derrière. Donc dans le placard invisible, a poussé un meuble devant et lui a dit de rester là et qu'elle revenait. Mais le placard était tellement étroit et comme les enfants étaient déportés, de ce que je voyais aussi, donc ça je voulais aimer vérifier, je voyais aussi, j'avais une vue de haut de l'appartement de la rue avec une boucherie apparente, je voyais des vieilles voitures, les premières voitures, je ne sais pas si c'était Peugeot, des choses comme ça, un peu grises. Ouais. Repasser et en fait Joshua, les deux personnes ont été fusillées plus loin dans la rue, donc personne n'est revenu chercher l'enfant et l'enfant est mort étouffé dans l'appartement. Et le petit qui était resté là, en fait, je ne comprenais pas au début pourquoi il ne pouvait pas sortir, en fait, venir communiquer, pourquoi il restait bloqué au niveau du placard, pourquoi il n'avait pas cette possibilité de sortir, en fait, plus dans la pièce et de plus s'exprimer. Et en fait, j'ai compris ensuite qu'en faisant le tour, qu'en fait, c'était la vieille dame de l'autre côté, donc vieille dame ensuite qui était la voisine à l'origine de l'appartement d'en face, dame qui a dénoncé ses voisins et à qui on aurait donné l'appartement juste après, qui aurait pris possession des lieux et qui se serait rendu compte de la mort du petit par l'odeur, en fait, qui commençait à s'en dégager. Chose aussi, la dame n'est pas morte dans l'appartement. Je l'ai vue beaucoup plus âgée dans un hospice plus loin. Elle avait à peu près 80-90 ans. Au moment des faits, elle avait à peu près une cinquantaine d'années. Et donc, du coup, c'était comme si elle revenait là et que c'était comme si elle était emprisonnée d'un karma ou d'un souvenir qui a été bloqué un peu dans un espace-temps à ce moment-là. Et ensuite, j'ai compris que l'entité plus néfaste qu'on va qualifier de... démonique, c'est à peu près la même signature, assez néfaste, de ce que j'ai pu relater de mon expérience aussi, c'est toujours créé par un humain, en fait. Et cet homme, c'était plus une ombre, et on se plaçait vraiment à la hauteur du petit Joshua qui avait 5 ans à l'époque, vraiment de vue d'en haut, et avec vraiment cette noirceur, on le voyait comme un grand soldat SS, il avait la casquette, le manteau, mais on le voyait à hauteur d'enfant, en fait. Donc c'était une création de l'enfant par la peur, par la colère, etc., qui l'avait créé, ou laissé libre, enfin, venir cette entité-là. Et donc elle empêchait, elle bloquait complètement le petit de sortir et la femme de partir. Donc il bloquait cette chose-là, il faisait vraiment la liaison entre les deux pour les empêcher aussi de communiquer. Et donc il bloquait complètement le tout.
comme ça marchait. Alors, je vois bien, j'ai vu la différence de joie de vivre. D'un coup, un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, oula, là, il va falloir te calmer direct, parce qu'il y a beaucoup trop de bonne énergie, ça va pas le faire. Ouais. Beaucoup trop. Ouais, c'est vrai. C'est chouette. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Eh ben, parce que ça aurait aidé beaucoup de personnes aussi qui ne se font pas forcément confiance, ou qui pensent que non, c'est psychologique quand ils ressentent quelque chose, ou que ça, que oui, des conflits qui se répètent ou qui n'y avaient pas lieu d'être dans cet appartement ou dans cette maison peuvent se créer entre les couples, aussi des turbulences entre dans les familles, avec les enfants, etc. Des maladies, des choses comme ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut aller explorer. Une dépression qui arrive, lancinante, ou une sensation qui est là, mais pas extérieure, dans un autre lieu, dans un autre contexte. C'est aussi bon à l'explorer pour voir si c'est pas vraiment le lieu qui impacte sur nous. Parce que notre environnement est très très important. Sur notre énergie, sur notre joie de vie, notre bonne humeur, de ce que l'entreprend dans la vie, etc. Ouais, j'ai clairement compris que je vivais en cohabitation avec ces personnes-là, en fait. Oui. Genre, c'était exactement ça. Genre, je m'en suis rendu compte, même en rentrant dans mon salon après, ce côté beaucoup plus... Là, c'était plus lumineux chez moi, tout simplement. Tu dis... Oui, il y a des cohabitations, mais il y en a partout. Oui. Il y a des gens partout qui sont morts sur la Terre, dans tous les endroits du monde. Même vous, il y a sûrement des gens qui sont morts chez vous avant. Et c'est pas dramatique, ça veut pas dire qu'ils sont là, qu'ils sont plombés, qu'ils restent là, que c'est coincé, que c'est un impact négatif. C'est juste une autre réalité. Et ça, on peut être en cohabitation ou avoir des passages d'autres dimensions, que ce soit des défunts ou autres. Ça peut être aussi des anges, enfin voilà, d'autres choses, d'être de la nature, qui s'amusent à retourner les affaires, à jouer des petits tours. Je vais le choper un jour. Mais bon, ils ont un humour particulier aussi, c'est très drôle. Mais voilà, ça fait partie de la vie, c'est pas forcément des mauvaises cohabitations. Non. Mais même maintenant, je me dis, c'était bizarre sur le coup, mais maintenant... Bah, je suis contente d'avoir vécu ça, au final. C'était bête, mais c'est vrai. Ça t'a apporté une expérience, et te faire confiance aussi. Clairement. Ouais. Et des lieux aussi où il y a eu des... On pense qu'ils sont hantés, où il y a eu des atrocités, c'est pas forcément des lieux qui sont plombés, hantés, etc. Ouais. J'ai vu le cas d'un endroit qui a servi de prison, de torture, de donjon, un peu tout ce qu'on va dire, c'est très très joyeux. Mais c'était vide, c'était calme. Mais rien, alors qu'on aurait pu croire que lui, ça aurait été la torture, entendre des cris dans tous les coins, bien bien plombé comme il faut, là, et absolument rien. Rien, tout était calme. Le travail était fait d'une autre manière. Simplement. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Thank you.